Les impressions, elles sont bonnes. J'ai trouvé que bon, l'histoire, ce n'est pas l'affaire des jongleurs. Il faut s'y mettre parce que je réalise que de plus en plus, les spécialistes ou les historiens ne sont pas toujours d'accord sur certaines questions. Et en tout cas, bon, chacun a sa position. Mais chacun aussi vise à trouver de son côté des tests, des ouvrages pour appuyer ce qu'il dit. C'est bien. Ça se passe très bien pour l'instant. En tout cas, on voit bien par rapport au débat passionné, à la richesse des interventions, qu'on a encore beaucoup de choses à faire. On voit qu'il y a une vraie pertinence à organiser ce colloque. Il est temps qu'on se pose certaines questions et qu'on se réunisse pour y réfléchir ensemble. Et donc, c'est ce qu'on fait à travers tous ces travaux. Donc, ça s'est très bien passé pour l'instant. Moi, je viens présenter l'héritage psychologique des Antilles. J'ai mené une recherche sur le terrain par rapport au discours et aux représentations de l'esclavage sur 4 îles, la Martinique, la Guadeloupe, Dominique et Sainte-Lucie, et je viens présenter une partie de mes résultats qui soulèvent justement certaines problématiques dont on a pu débattre après la conférence. Alors moi, c'est une première pour un colloque international. Je suis très satisfaite parce qu'on regroupe plusieurs chercheurs sur des thématiques différentes. Ça permet d'avoir des points de vue différents, et puis que ça soit en sociologie, que ça soit en anthropologie ou encore en biologie, en psychologie ce matin. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce qu'a été la traite négrière et puis aujourd'hui de comment elle est représentée et se manifeste dans nos sociétés. Je trouve que c'est excellent que le colloque se réalise au Bénin. C'est très symbolique en fait. On a accès là aux référents de la société, c'est une autre vision. Parce que je me rends compte en fait de part et d'autre de l'Atlantique, on reste chacun sur nos continents. Nous, on vient d'Amérique du Sud. Et je me rends compte que dans les débats, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui s'est passé forcément sur ces territoires qui ont été colonisés, qui ont été impactés par la traite négrière. Et nous, d'un autre côté, eh bien, on ignore aussi les discours, on ignore l'absence de la méconnaissance qu'il y a sur ce qui s'est passé après. Donc là, c'est vraiment génial qu'on se retrouve tous ici et puis qu'on ait des intervenants du Brésil, de la Martinique, de la Guadeloupe, qu'on ait des intervenants de la France. Enfin, tous ces territoires qui sont concernés se retrouvent aujourd'hui sur un lieu quand même qui est central à la traite négrière. Je pense que le public a été réceptif puisque j'aborde la question des blessures en fait, héritées de l'esclavage, des blessures qui sont toujours dans notre inconscient collectif, dans la façon dont on se pense, dans la façon dont on construit nos identités caribéennes. Et tout le monde a été réceptif sur ces questions-là puisque ça fait aussi lien avec les questions de réparation de l'esclavage dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont un questionnement international. Hein. Beaucoup de pays s'y penchent de plus en plus et je pense que le public était en attente d'avoir justement des éléments de réflexion sur ces questions-là.